Amis téléspectateurs, peuple haïtien, bonsoir pour nous toutes. C'est avec même plaisir que nous retrouvons dans le cadre première émission Plaisir d'écouter pour l'année 2012. Là. Nous avons profité encore une fois pour nous souhaiter à nous toutes qui écoutent l'émission, qui suivent dans le moment, une bonne année 2012. Nous apprécions en pile, mais vraiment en pile, tout commentaire que vous faites sous dernière émission. Nous avons chaque jour plus, nos monde qui a fait commentaire a augmenté et nos questions y a augmenté tout. Mais quand vous lisez déjà, nous pas capable de passer tout. Vous comprendre si c'est quelques-uns là d'ailleurs seulement, nous passer. Des questions qui sont dans le public là. Encore une fois, des mondes qui t'évlaient directement parler dans le micro, palais national ou bien télévision nationale d'Haïti. Et puis, il y en a un même qui fait le tour sur Twitter, sur Facebook, sur 828 là. Président Martelly, encore une fois, prêt pour le faire même exercice là avec vous. Ou parler avec lui, il répond nous dans franc parler là. Son façon pour le rester connecté avec vous, tout prêt pour le porter réponse à ensemble de questions au Géo. Parce que président là, c'est pour le travail. Nous sommes sûrs qu'on va passer encore une fois un très bon moment avec président Michel Martelly. Émission ça, n'a pas besoin de rappeler au lit encore. Vous connaissez déjà, c'est tous les 14 du mois que le passé sous chaîne pour regarder là. Bonne émission avec président Michel Joseph Martelly. M'a salué tout le peuple haïtien, tout le monde qui a regardé ici et à l'étranger, ça a branché et à travers Internet, tout le monde qui a besoin qu'on réponde à la question qu'il a posée, me dit nous bonsoir. Et je devais prendre l'opportunité ça pour me renouveler vœux que je fais déjà pour fin d'année. Je souhaite nous une bonne année. Je souhaite que l'année ça apporte courage pour nous, détermination, force pour nous gagner pile volonté, nous-mêmes tout, pour nous faire bon chemin, prendre bonne décision, en pile courage. Et m'a profité tout pour remercier tout le monde qui t'a accueilli pendant différents déplacements que j'ai fait à travers le pays pour fin d'année 2011 là, côté que j'ai rencontré en pile monde dans pile département, mais tout côté que j'ai en pile monde qui t'attend pour être président, il y a en pile côté président qui voulait passer que le pas de passer. Comprendre bien que le pays a grand pile côté là-dedans, grand pile monde nous t'a voulu tout côté. Nous avons fongé ça à chaque monde. Mais malheureusement, et même les nous redoubler d'efforts, il n'est pas jamais possible à 100%. Donc, je redis nous merci. Et pour ça, pour mieux poser, nous sur route, et nous avons venu, nous avons intention de faire proximité avec la population. Comme ça, pendant 5 ans, j'aime de vous dire là, mon seul patron, le peuple haïtien. Nous avons choisi de promettre nous que nous allons travailler pour nous. Vous dire pas qu'à président pour nous courir pour nous. Donc, nous avons continué à faire des déplacements. Et nous avons trouvé un plaisir pour, dans la mesure du possible, nous avons moyen pour nous porter des cadeaux pour nous. Sinon, nous avons venu avec de grands projets. Tout, puisque l'idée, c'est surtout le développement d'Haïti d'abord. Mettre l'infrastructure sous pied. Et nous connaissons 4 euros déjà. Et j'aime ce dire là, le développement du pays. Et m'a souhaité nous une bonne écoute de l'émission ça. Et la première pour 2012, président Poutéo, et c'est avec un pile plaisir que je chita pour me répondre à la question que vous dire. Et bienvenue et bonne écoute. Pour commencer, et première question que nous allons répondre à vous dire. C'est une question de Michel Alexandre Brédy. Président Martelly, nous-mêmes jeunes dans Jacques Mel, nous t'attendons nous dans l'occasion de fête Noël, là, à la fin d'année, ou pas jamais passer ouais nous. Qui l'est n'a bien chance de voir une moto, machine, à cadeau pour nous. Mon cher Michel Alexandre, faut me dire que c'est pas vrai de ne pas dériver Jacques Mel. On connaît assurément, sous Jacques Melvray, la relation qui gagne entre le président et Martelly et la ville de Jacques Mel, un amour particulier. Nous avons pile amis dans la ville là. Donc nous avons voulu passer Jacques Mel. Mais chaque fois que nous allons côté, il m'a dit temps,
li mande logistique, li mande en pile main, li mande en pile moyen. Donc nous t'ai sélectionné quelques côtés que nous t'ai capacé et nous quitté d'autres côtés pour nous continuer et bien sûr à chaque fois que nous sommes capables de faire. Mais encore une fois, je veux faire nous comprendre que c'est un mouvement qui t'est démarré à partir de fête fin d'année à côté que dans le sens nouvelle solidarité, nous t'ai voulu longer la main by frère nous, by monde qui a longtemps a souffri côté que nous connaît que c'est pas un motocyclette pays a besoin, mais il y a de monde qui a souffri et qui n'en dû et l'œuvre nos motos, si on passe vers elle comme moyen de déplacement, il a fait business avec elle. Donc dans le sens pour nous aider les gens à combattre la vie, hein, nous avons fait des gestes comme ça. Mais ce n'est pas un bagage que le président a fait. Ni chaque semaine, ni chaque mois, ni c'est pas comme ça que nous voulons développer Haïti. Cependant, dans le sens assainissement, j'aimerais dire là, côté que le président Gendoua a des petits projets, venant support à la population. Donc, ma preuve, si chaque fois que je passe dans une zone, nous avons fait un modèle mouvement ça. Par exemple, si je ne vais pas venir là très bientôt, et dans Jacmel, c'est ou bien pour la période carnaval là pour nous faire, ou bien encore pour la fête de Jacmel, le président a venu et nous passons un moment. Et pareil à un moment que nous sommes passés dans d'autres départements, dans d'autres villes, et pendant la fête Noël là. Donc, je vais aller faire une promesse, parce que d'une part, je ne vais pas avoir un agent d'âme, je vais aller promettre pour venir. Mais nous avons venu Jacques Mel quand même, nous promettons tout, que dans la mesure du possible, nous avons fait, nous avons créé même ambiance ça, une ambiance de fraternité, une ambiance de solidarité, d'amour, de partage. Et côté que c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent, il y a plus de monde qui ne peuvent pas tout, nous ne pouvons jamais pour tout le monde, mais au moins nous avons un bon moment. Et le président a continué à un signal que le gouvernement qui en place là, son gouvernement qui a pensé à la population, qui voulait venir en support à la population, qui voulait soulager nous dans le problème que nous avons confronté. Deuxième question que nous prenons, c'est de Astrid Jolicoeur André, qui Boston, qui m'a dit qui la prochaine élection a fait. Est-ce que c'est un KIP provisoire ou sinon permanent qui a gagné pour faire? Astrid, et merci pour la question parce que je n'ai pas avancé là. Question ça, c'est question qui, dans un moment, qui a plus brûlant. Et question simple, quelle élection a fait? N'a pas travaillé d'arrache-pied pour que l'élection élection faite dans le plus bref délai. Donc on est que, c'est mai, mandat 10 sénateurs a arrivé à fin. Donc nous n'avons pas intérêt pour qu'on vide dans la chambre. À ce niveau-là, Napoué, dans qui mesure nous ka déraper plus vite? Est-ce que son KIP provisoire? Est-ce que son KIP permanent? Là encore, la commission qui travaille sous amendement a permis nous prendre une décision ça plus rapide. Il est vrai que moi je vois une information qui fait nous connaître que bon arrêté qui était sorti en 89 si je ne me trompe pas qui te permettre que nous te ka fait une commission ou c'est un KIP permanent. Donc toute solution ça yo, sous table là, est-ce que KEPA a permanent, même si amendement pas publié, est-ce que amendement a publié, le ça n'a pas KEPA permanent, est-ce que amendement pas publié, le ça pour nous non KEPA provisoire, et si qu'on est arrêté 89 là, permettez-nous aller quand même vers le KEPA permanent. Nous avons pris en route ça. Et donc, nous avons des commissions qui travaillent sur ça. Et c'est une fois que les recommandations sont faites, une fois que l'évaluation est faite et que tout jugement mette sous table, que le président lui-même a gagné pour le bail mot final. Là. Mais nous avons travaillé sur ça d'arrache-pied parce que l'avenir a une urgence là, son urgence qui a pointé à l'horizon et qui était cassé, nous mal géré, mais nous avons vu la crise. Nous n'avons pas voulu gérer la crise pendant 5 ans, présidence Martelly. Hein? Donc, et nous avons des équipes qui sont sous pied et qui peuvent avancer. Moi-même, président Michel Martelly, je me connais qui sont votés pour nous dans le diapo pour l'année 2012.
Augustin Gerlin. Augustin Gerlin, 2012 là, supposé une année côté que départ là, supposé fait sentir plus encore. Parce que, on connaît que, à travers le programme d'éducation, par exemple, nous avons marqué des points, côté que c'est la première fois dans l'histoire d'Haïti et un gouvernement campé des systèmes d'éducation comme ça, pour l'avouer 903 000 timoun l'école et transport gratis. Donc, nous avons commencé par des signaux déjà. Mais pour 2012, là, il faut me dire que nous voulons renforcer le mouvement l'école gratis là. Nous voulons que le vin permanent, côté que je dis à nous connaît et cadre légal là, pour que nous avons en place pour ça, nous avons et accompagnement parlement pour faire de lui une réalité. Nous avons travaillé pour mettre bon gens et sécurité dans le pays, et ceci pour que le vin une façon de vivre, pas un bagage qui est passager. Et nous avons travaillé pour nous relancer l'agriculture en pile, en essa, la production nationale. Comme monter noté 2-3 bagaille que nous avons pour nous faire, ouvrir des écoles professionnelles un peu partout à travers le pays. Et nous déjà fait demande par le Premier ministre là, pour nous identifier des ressources, COB, de telle sorte que nous avons commencé et bâti l'université tout dans le pays. Et notamment, nous parlons de 4 universités. Et est-ce que c'est pas dans 5 ans ou bien nous avons fait sous 2 ans? Nous pas qu'à dire aujourd'hui, mais nous connaissons que. Et des années ça, nous mettons déjà dans le budget pour voir si nous sommes capables de DAP avec au moins une université. Et les 4 universités que moi-même m'ai pensé, c'était peut-être une dans la zone sud, une dans la zone l'ouest, et avant arriver dans la zone Léogane et Gangouave, qui a desservi le sud-est tout, une dans le plateau central, et quatrième, dans l'Artibonite. Alors bien sûr, nous avons compté cinquième nan, qui pas nous-mêmes qui avons fait, mais qui sont dons de nos voisins de la République dominicaine, qui avons fait nos 5 universités solides dans le pays. Et déjà, on parle d'avoir les bâtiments, mais il faut ne pas aller trop vite, parce que la gestion même de l'université, ça y est, pourra venir un problème si nous pas préparer nous. Donc, nous avons travaillé sur des projets sérieux pour 2012. Là. Nous avons programme tout. Et qui relè Abagangou, bien sûr, ce n'est pas une sorte de programme ça qui a mené développement, mais dans le moment que nous avons des problèmes, accompagner la population pendant que nous avons des problèmes parlés, je crois que son geste qui a fait du bien. Le programme Abagangou, c'est un programme côté que nous avons assisté près de 100 000 mamans, des programmes Abagangou et Timaman Chéri. Timaman Chéri a lui-même, c'est toujours 100 000 mamans que qu'a recevoir. Soit comme à travers téléphone, soit des kits de nourriture, mais à condition que petit yo l'école et que timoun yo vacciné. Tout ça, c'est pour encourager moun qui déjà pas gen moyen pour qu'un bébé petit ou l'école et tout pour timoun vacciné. Donc, n'a travaillé pour bay timoun nan la santé, n'a travaillé pour bay éducation pendant que nous-mêmes n'a venir en aide à maman yo. Et n'a pas poursuivre jam jam avec la construction pays et notamment et n'a créé emploi tout à travers des édifices publics que nous comptons commencer reconstruire et année ça là nous avons parlé du palais législatif, du palais judiciaire, nous avons parlé de ministère finances, de ministère affaires étrangères, des immeubles du palais des ministères, des immeubles que nous décidé construire et année ça, donc qui pour créer emploi. Donc on parle de grands projets, continuer à faire des routes, et côté qui m'a dit faire route. Donc, moi, qui a dit que dans le pour 2012, là, il y a un pile bagaille, et nous connaissons qu'un pile bagaille là pour fête, et il y a votre cojon fête. Donc, c'est moyen seulement qui vous a bloqué nous, et à travers la diplomatie, à travers la coopération, et nous connaissons que nous avons mis à faire étrangers, par exemple, qui est dynamique, et qui a travaillé pour que la coopération permette nous, vous une ressource pour nous capables d'avancer. Et même j'en tout, à travers la douane, à travers collecte de taxes, nous, pour nous, ouais, qui j'en, que nous avons rentré plus comme, de telle sorte que nous arrivons à mettre le projet sérieux sous pied. Mais les projets sont là,
et nous voulons avancer, nous décidons pour nous avancer, donc nous pourrons voir la différence là, en 2012 là. Président Matéli, est-ce que vous avez publié la constitution amendée? Si oui, qui l'est, et sinon pour qui ça? Johnny Fatal, est-ce que m'a publié amendement? Ça, c'est une question qui est encore à l'ordre du jour. Moi, j'ai promis récemment, aux réunions avec le club de Madrid, pour m'avancer, des engagements pour avancer avec amendement. Et avancer, ça veut dire quoi? Ça veut dire pencher sur le problème, non? Et pencher de telle sorte que, pas qu'on perd du temps, pas qu'on joue de cap joué, c'est comprendre pour qu'on prenne une bonne décision. Yo. Et je dis que le président Matéli n'était qu'à pencher d'un côté ou d'un autre, puisque nous jouons des supporters cap goumen pour que nous publions, nous jouons d'autres qui disent faites attention, son piège. Donc, et ce que nous faisons nous-mêmes, nous mettons une commission sous pied, et une commission qui là, qui pour étudier amendement bien, qui pour parler nous deux. Qui Jean Yoweli, pour qui ça, on sait de mon abdi oui, pour qui ça, on sait de mon abdi non. Parce que ce n'est pas une question pour le président, c'est pour prendre une décision, et puis Jean le passé. Son décision qui peut engager le pays, hein? Son décision que une fois nous prenons, nous ne pouvons pas tourner sous lui. Donc, moi, je pense que faut que nous fassions vite, faut que nous marchions pressés, mais faut que nous fassions bientôt. Dans ce sens, moi, continuer à prendre. Des conseils dans la commission ça et nous suivre pour nous connaître qui décision finale qu'a prend et à partir de ça une fois que le président lui-même lui paraît pour le trancher OK l'a tranché et la bonne nouvelle qui quel que soit côté me penché à qu'a fait bruit à travers le monde donc n'a pas connaître qui sa réponse la pied mais pour vous dire bon, c'est que nous devons avoir cette tête froide. Il s'agit de un leader, un pays qui doit engager le pays dans certaines directions. Il faut comprendre le côté de l'air, il faut le suivre de côté de l'air. Président Matéli, non pas M. Pierre Renol. Pour l'année 2012, le plus gros cadeau de café nous et tirer nous sur ce genre de masse. Est-ce que vous pouvez mettre nous ça? Pierre Renol. Puis, gros cadeau, de café, on s'est retiré sur champ de masse là. Mais, il y a trois vous de ça. Il y a trois vous de ça. Et nous sommes sous champ de masse avec le ministre Oda. Et nous fait annonce là que nous avons commencé déjà. Le recensement est en fait sous champ de masse. Nous avons près de 450 familles, si je ne me pas trompé. Si je ne me pas trompé, je ne sais pas le chiffre exact là. Donc, l'idée, c'était de trouver les fonds. Et je vous dis que le Canada campé avec nous et a décidé de mettre Cobla pour que nous fassions travail ça. Et je vous dis que nous avons commencé à fêter et pas trop longtemps encore avant que nous venions retirer en battante. Là. Et d'ailleurs, on était de suspect que nous avons privé sur vous parce que son travail nous fait déjà et place Saint-Pierre, son travail que nous fait place Boyer. Son travail que nous fait et place Calbois, place Jérémy, son travail que nous fait Napfel sous aéroport à Boyer Portland, son travail que nous fait et dans le gymnasium. Donc on a bien avancé, nous déplacé en pile monde dans pile camp et bien sûr il pas de jambe facile, bien sûr il demande en pile ressources mais n'a pas avancé. Donc, je crois que vous m'avez commencé à réjouir du fait que vous avez un gouvernement, vous avez l'État, et non seulement qui a pensé à vous, mais qui déjà prend des dispositions pour que très bientôt, vous passez sous champ de masse là encore. Et ce n'est pas vous-même seulement, tout le monde qui est sous champ de masse là, vous pouvez un côté décent, priorité, et Timounio a pu resservir avec champ de masse là pour venir prendre plaisir, pour monter bicyclette. Voici football et peut-être qu'on aura encore
tout bel concert nous devons gagner sur champ de masse là côté que mon cabine flâner les dimanches après-midi les vendredis les samedis côté que venez là qu'à des fois servir avec zone pour étudier en toute quiétude donc pas qu'il s'attraque à solution à venir sur Marie-Marthe Philogène Saint-Cyr qui posait prochaine question. Elle lui demandait, nous, président, qui mesure à prendre pour faire tout le monde payer taxes pour l'État capable de vendre cob pour faire payer à marcher. Et Marie-Marthe m'a dit que vous comprenez le bagage bien, vous comprenez, et nous-mêmes nous passons instruction par le ministre des Finances là déjà, et nous avons instruction et pour la douane. Pour le DGI capacité pour être capable de faire le travail et dans de meilleures conditions pour être capable de collecter et taxes dans tout le monde qui doit payer. N'a encouragé le secteur informel à travailler avec eux tout et eux même déjà ils fait nous comprendre que ils voulaient payer taxes, ils voulaient participer et fait devoir rempli devoir citoyen parce que pour un pays fonctionner c'est à travers de ça l'État récolté et dans taxe que le cas vraiment a atterri projet. Donc il s'agit de renforcer d'abord et les institutions qui concernaient et motiver population en tout. D'ailleurs pendant qu'on a posé une question qu'on comprenne nécessité pour nous faire ça parce que au même tout cas aider nous et converti de toi monde, motivé de toi monde, et monde ça a tout cal, converti de toi l'autre, motivé de toi l'autre, faire comprendre que son devoir citoyen lié, et l'État n'a pas doué seulement à forcer au payer taxes, même faut comprendre nécessité pour venir et pour dire que vous avez un rôle par là. J'ai un président qui dit, lui-même, pour qu'on parle, il va changer le pays. Alors c'est nous tous qui avons un rôle. Des fois, bon citoyen, c'est ça le qu'a fait. C'est payer taxes qui permet l'État atterrir des projets. Donc, et encore une fois, Mabdiou, c'est renforcer l'institution qui est responsable de ça, motiver les gens qui ne peuvent pas payer les taxes, et assurer que nous avons un système en place qui pour contrôler que les gens qui peuvent payer ça pour payer, et qu'on assure tout que comme taxe, qu'on est lui-même bien utilisé pour ces projets, pour projets que l'État gagne. Donc, nous travaillons sur ça, nous travaillons sur ça. Et dans les jours qui viennent, particulièrement sur la frontière, nous déjà à travail, nous visiter la frontière, là, côté que nous avons Malpass, nous avons Belader, pour nous voir qui gens que nous travaillons sur la frontière, de telle sorte que nous avons renforcé la présence nous et assurer que tout le monde qui traverse les frontières, par exemple, que au pays taxe, nous demandons directeur la douane et conscientiser tout le monde. Nous demandons tout pour que employer la douane pour ne pas souffrir. L'homme t'a allé, t'es vrai que t'as souffri. Nous venons des bureaux de la douane, côté que moun sa par même gain et des toilettes pour servir. Nous arrivons dans le bureau de la douane, côté que gen moun qui beaucoup touché, pendant que y a des millions de dollars qui passent dans la douane. Donc qui j'en voulais pour mon travail, il y a des millions de dollars qui passent dans la main, et puis pour ne pas toucher. Donc tout ça, c'est des bagages que nous devons faire, son culture qui te gagne dans l'État haïtien, côté que bagages fait n'importe qui j'en. Et pas oublier, j'aime de vous dire, nous, problème yo en pile, problème yo profond, donc là prend temps, mais nous identifions déjà, nous travaillons sur eux et nous avons des équipes qui penchent sur des problèmes bien spécifiques. Donc, on a senti changement et Kembela et au même aidez-nous, faire tout le monde comprendre que payer taxe là, c'est pas un cadeau lié son devoir. La prochaine question est de Madame Georgette Lespinasse, président. Est-ce que aucun projet visiter nous-mêmes qui vivent dans ce pays, Takou Bahamas, Turks and Caicos? La Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, etc. Ça t'a fait nous un pile plaisir, Excellence. Georgette, merci un pile. Et moi-même, nous, c'est un gros plaisir pour moi de venir visiter nous. Et chaque fois que je fais un déplacement comme ça, ça me fait déjà, nous plus aller vers la coopération, nous plus aller vers. Ouvrir porte nous bah, de nouveaux amis, créer de nouveaux amis, et en sorte que
en sorte que Haïti a bénéficié de échanges, que le commercial, de que la coopération, que le support, que les programmes, que les projets. Donc c'est dans ce sens ça que moi plus voyager. Mais bien sûr, c'est un plaisir pour moi de passer visiter nous, ouais, qui j'en a dégagé nous dans le pays ça. Et en temps opportun, peut-être que Mapfel, particulièrement s'il y a des problèmes qui présentaient des côtés, côté que, par exemple, et notre ministre des Affaires étrangères a dit qu'il y a tel problème là, il faut en Algérie, ou bien encore, il y a un bagage bien particulier, que m'te ka vini visiter nous. Mais il y a tellement de fausses affaires, tellement de bagages qui pour faire, tellement manqué de temps, vous n'avez pas 24 heures de temps seulement. Donc là difficile, mais on peut dire que à la première occasion, qui veut dire que si j'ai une invitation, si j'ai une nécessité pour me venir, que dans un moment temps permet de faire, c'est avec plaisir que m'a fait. Et son monde qui vit avec monde, son monde qui engage là pour me défendre monde, pour me travailler pour monde. Donc là trouve une belle opportunité que m'a saisi, et de la mesure que temps me permet de faire. Donc, Kembela, entre-temps, Palagé, et là, après les familles en Haïti, et motivé autour, faire ça, il doit faire pour le pays. Ya. Et ou même, qui l'autre bord, si nous souviens l'autre ami tout, qui t'a pensé un jour, vient faire business en Haïti, m'a tout dit que Haïti, et c'est la première fois que le conseil, il paraît non seulement pour l'accueillir, mais pour le protéger, pour le camper avec, pour le défendre intérieur, pour le défendre business, pour le pas quitter. Perdu tout le temps côté investi dans le violent pour un meilleur demain. Et donc, saluer tout le monde dans la communauté là, et profiter de saluer toute communauté haïtienne dans chaque pays que je cite là. Président, remets-nous. Je dis nous merci. Je connais un pile dans nous qui était quoi dans 8 là tout et qui était relé famille qui était dit voter tête calée. Donc, je profite de nous merci et je prends rendez-vous avec nous pour très bientôt. Président Matéli, c'est pas un but qui a parlé avant. Année samedi, le carnaval n'a pas fait photo presse. C'est au cas la fête. D'ailleurs, mais qu'on est-ce que c'est vous? Edwige Parent, on va demander si le carnaval l'a fait au cas est vrai, s'il va faire photo presse. Soit on dit à ses salliers, le carnaval l'a fait au cas. Alors, on va demander s'il n'a pas fait photo presse. Moi, je dis que. Dans la tête PAM, puisque moi j'ai rencontré avec un comité que nous sommes censés, un comité élargi, côté que j'ai changé l'idée avec eux, et j'ai demandé pour qu'ils quand même une présence dans les rues de Port-au-Prince. Par exemple, un défilé de bandes à pied pendant les 3 jours au droit, et à Port-au-Prince, un défilé de bandes à pied, avec bien organisé normalement, et pendant la nuit, si vous voulez profiter, faire un défilé de DJ. Parce que nous connaissons, dans la capitale, la guerre de monde, d'ailleurs, ça fait partie de notre culture, et le carnaval. Donc, nous avons fait un défilé dans Port-au-Prince à niveau ça. Mais, nous pensons que l'IPAT a point pour nous faire un carnaval, côté que nous avons dépensé un paquet de l'argent pour nous faire stand, pendant que nous avons vu dans des conditions comme ça, et puis, comme nous avons investi dans faire stand. Donc, ce que nous avons fait, et nous identifier avant tout l'argent pour nous déplacer moun qui a vécu dans la tente sous champ de Massio. Et nous même nous dit, puisque nous avons la bonne solution pour moun sa yo, nous avons fait carnaval là. Mais nous pas qu'à faire champ de masse pendant que moun yo là toujours. Donc nous décidons de mener carnaval là, dans le même esprit de décentralisation que nous voulons prôner. Hein. Nous décidons de mener au CAE. Et ça veut dire, opportunité pour nous faire tourisme local. Okay? C'est une nouvelle culture. En plus, le monde qui a monté au caille, regardez qui j'ai un caille belle, qui j'ai un de l'eau, qui j'ai un belle plage. Une opportunité pour que dans le caille, il y ait un boom économique qui fait côté que les cailles qui ont profité de ça pendant toute reste année, parce que dépendamment de quantité de monde qui montait, de quantité de cobre qui dépensait dans la ville au caille, il y a un gros coup de pouce pour les cailles. Et il y a un peu de monde qui a pensé que pour qui ça les cailles, faut bon côté. Voilà que vous dites à moi rencontrer avec le comité Mkadi, un comité international de la Croix-Rouge, qui a fait une conférence en Haïti, côté qu'il a invité près de 400 étrangers à la conférence.
Et même Jean tout, automatiquement, me dit, pas de problème. Cette conférence, il a fait du 13 au 17 en Haïti. Même côté, il a proposé le Cap. Proposer le Cap. Il est content. Et déjà, nous pouvons travailler pour dans qui mesure le Cap paraît et pour la pour le Cap prend 400 invités. Donc nous avons une équipe qui déjà travaille sur ça. Donc c'est dans ce sens ça, idée de décentraliser. C'est même genre boost que nous pouvons faire là avec 400 étrangers qui ont venu pour une conférence de la Croix-Rouge. Imaginez que vous virez dans la ville au Cap, dans le Nord en général, vous passez Emilo, vous passez Citadelle, enfin, vous virez dans la zone, non, ils dépensent l'argent, ils achètent tableau. Imaginez quel impact ça gagne pour le Nord. Donc c'est comme ça que nous voulons faire, décentraliser un peu. Donc pour revenir à la question du carnaval, le carnaval, oui, au CAI, et la conférence au Cap. Donc de temps en temps, il y a des événements comme ça que nous avons fait un peu partout, à travers le pays. Donc chaque monde met, tout le monde met, on a essayé vraiment un coup pour chaque monde. Mais quelle raison que fait notre petit Jean et au CAI pour carnaval là tout, c'est l'idée que les rues soient larges, assez larges au moins. L'idée qu'on devait revenir, l'idée de l'heure pour avec carnaval, nous, qui sont partis de culture, nous, et il y a des gens qui vivent de ça. Et donc, l'idée tout est pour nous décentraliser, donc ça a fait nous penser à carnaval. Là. Donc, moi-même, qu'on est un, et une équipe qui travaille sous logistique, sous faisabilité projet, hein, et j'étais moi-même comme président pays à un seul bac comme café, c'est souhaiter tout le monde qui a décidé de participer, et dans carnaval, ça. On voit le carnaval. Et puisque nous avons une route pour nous faire, je me dis, nous, prudence sur la route. Chaque fois que nous réalisons que sous route, là, perdu au monde, nous pensons que c'est un monde que nous mal perdu. Même le grand maître là, il le levé. Même penser que une petite précaution, hein, pas me déranger. Je vois le carnaval déjà au CAI. Et je me dis, et les CAI, bonne chance, succès. Et je suis content que nous content parce que je vois tout le message. Je connais. Je nous et Paris pour nous fêter, je nous content. Et c'est bien avec nos sens positifs. Et malgré que nous pas de Paris pour ça, présenter au monde et le plus de masques possible, le plus de couleurs, et mettre culture nous en relief, nous demander pour que Charles n'y pas aussi gros que Charles, qui était qu'on n'y pas au prince. A bien pile l'ordre dans le carnaval là, nous voulons que Charles au moins gagne tant quantité de son de telle sorte que ce n'est pas une qui a couvri l'autre qui idéa. Idéa, ce n'est pas pour un jazz, bâton jazz. Idéa, c'est pour une belle définie carnavalesque, côté que tout le monde a joué de ça, tout acteur a gagné pour vendre comme produit sous parcours là. Encore une fois, joyeux carnaval. Président Martelly, nom c'est Lunette et Lusma. Qui ça va faire pour nous capables de jouer un bon genre de l'eau potable pour nous boire dans le pays? Lunette et Lusma. Et vous avez raison, la question de l'eau potable a été une question d'ordre prioritaire en Haïti. Nous connaissons qu'en pile côté, nous n'avons pas besoin de l'eau potable pour boire. Et DINEPA, qui est l'instance qui est responsable de l'eau potable dans le pays, a travaillé, je le connais, avec collaboration la BID, avec collaboration agence espagnole, pour que vous refaire réseau de l'eau potable en Haïti. Bien sûr, son bagage a pris temps. Son bagage qui coûte tout. Donc, je vais dire, solution à venir petit à petit, et ceci de des zones, et zone par zone. Il n'y a pas besoin de faire un seul coup. Mais, il n'y a pas à travailler sur lui. Et il y a des projets qui sont bien spécifiques que si vous êtes intéressé pour qu'on ait exactement dans la zone par là, si vous avez un projet qui a tombé, bon, là, caillou, ou tout vous avez droit, et intervenu dans le DINEPA, tout projet sera disponible déjà dans le DINEPA, et projet qui a fait pour l'année 2011-2012. Là. Alors, si toutefois, quartier ou la zone n'a pas un projet qui doit atterrir pour l'année 2011-2012, n'a pas invité à poser question quand même dans le DINEPA, ou bien encore faire des suggestions, et selon ordre peut-être priorité, quantité de monde qui est dans la zone, quantité de monde qui gagne, peut-être que vous avez choisi et zone 1 pour prochaine zone d'intervention. Mais l'État haïtien qui l'a connu en continuant des affaires, nous comprenons très bien nécessité, besoin, urgence, question de l'eau potable. Prochaine question de Fabiola Élevé. Président, qui a commencé à recevoir dossier jeune qui a un projet fait business.
parce que pas moyen paré déjà. Fabiola, ça fait un plaisir. Moi, côté tendé et moi, que ou paré. Nous souhaitons bonne chance. Nous souhaitons que le projet pour là, le reviser, que y a bal on ok pour qu'on avoine comme l'a prêté. J'aime te dire, on comme que l'Espagne te promet à Haïti 50 millions d'euros. Dernière fois que je me suis rencontré avec le représentant BID en Haïti et l'ambassadeur espagnol, je te fais que nous connaissons que comme l'a BID déjà. Et BID là lui-même, tu as identifié 5 instances qui parient pour travailler de concert avec eux. Mais il faut que nous t'en annonçons. Parce qu'il y a des préparations qui vous faites, il y a des mises en place, de telle sorte que le nous annoncé que vous doit faire une demande de prêt pour le projet là, et son GMD dit ça tout, vous pouvez faire une analyse du projet là, une étude, pour voir s'il est viable, s'il est faisable, si vous avez intérêt prêter au NACOB là. Donc, nous souhaitons bonne chance et je dis que annonce ça, soit annonce que je fais avec un pile bruit, parce que nous, ça fait quelque temps quand même, nous promettre comme ça, et à la jeunesse, à moun qui gagne des idées, des projets que vous voulez atterrir, mais qui n'a pas de moyens. Donc, vous mettez, suivez-nous très bientôt, et d'après, si je me songe bien, je te dis, dans le mois de janvier, il y a Paris. Donc, je suis bien content de question, tout ça va être une opportunité, et dès que nous sommes libres, puisque nous est là, nous sommes dans la commémoration et dans deux voyages qui fait, entre temps, nous avons tourné sur le dossier pour demander des questions sur lui, de telle sorte que nous avons une réponse plus précise. Merci. Président, moi c'est Roche Virgin. Est-ce que vous pensez que tout bâtiment public qui est tombé pendant le 12 janvier, on va peut-être reconstruire ce mandat? Roche Virgil, son plaisir pour me faire une émission. Hein? Et je voulais répondre à la question. Là. Est-ce que tout bâtiment public qui tombait dans le tremblement de terre a été reconstruit sous mandame? Je n'ai pas reconstruit tout le pays sous mandame. Je n'ai pas fait tout le bagage sous mandame. Mais j'ai un cas à comprendre. Et 5 ans, c'est 5 ans. Et des fois, pour bâtir un simple cas, il prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, dépendamment de moyens, dépendamment de ressources qu'on gagne en main. Donc, moi, je dis que nous avons des projets et des fonds pour que nous fassions assez de bagailles. Et je dis que des projets considérables. Nous avons même parlé de l'autre projet, oui, comme on parle de bâtiment public. Pourquoi parler de projet de Jacques Mel, côté que nous disons que nous pourrons investir 40 millions de dollars dans Jacques Mel, parce que nous avons un plan bien précis, nous avons intention l'année prochaine fêter un bail particulier dans Jacques Mel. Donc nous avons des fonds disponibles. Et pour bâtiment public que nous identifions déjà, tels que le palais des ministères, tels que le ministère des Finances, ou du moins, on considère l'autre projet que nous avons quitté parler avec PM dans sa bien, il y a appel quelques jours, côté que dans l'espace, il dit qu'on pour nous faire un gros convention center et quelques tours, qui semblaient tours, Digicel là par exemple, qui là, qui est à abriter des ministères de l'État, ok? Donc nous avons un grand projet ça, vous mettez sous pied. Est-ce que nous avons fait tout bâtiment public? Moi, pas qu'à répondre aux promesses comme ça. Nous obligés de faire année par année, basé sur le budget. Mais rêve-nous, c'est pour nous faire le plus possible pour que nous marquions en nous, pour que tout le monde ne pas venir pour nous jouer. Parce que nous ne pas venir pour nous jouer, nous gagnons quelques fonds disponibles, nous pouvons faire le plus avec nous. Mais nous ne pouvons pas bailler parole que nous ne pas qu'à. Président, je félicite pour un compte où tu fait avec péché. Moi, t'as remis qu'on est, qui plan on gagne pour nous-mêmes, élever bœuf, cabrit, cochon, poule, etc. Question ça, c'est Stenio Willy Vantard qui posait nous. Et moi, t'es réuni avec pêcheurs, tout simplement, moi, t'es voulu faire un état des lieux. Mais encore, il pas obligé, moi, pour te rencontrer avec eux. Et voilà que le mal rencontré avec eux, c'est l'heure, ça vient qu'on est tout. Ou du moins après. Rencontre était très intéressant, mais c'est après que le ministère concerné a fait un état des lieux, même pas au courant. Donc heureusement, je me suis fait rencontre ça, puisque je vous dis à moi au courant de l'état des lieux que le ministère a lui-même fait. Et je vous dis, je crois que nous pouvons avancer dans la bonne direction, parce que nous avons demandé
formons une commission, justement, le mois et moi t'es là. Et commission, ça a aidé nous mieux travailler avec relevé, avec état des lieux que nous avons amené nous. Et le moins de ça nous a fait pour élever et mon cabelle bœuf, cochon, poule, nous avons réuni, ou même qui compte domaine un peu bien, qui a dit nous qui problème nous avons, ou qui a fait nous des propositions, et nous avons avancé avec vous. Mais parfois dans le domaine, non, seul bien, c'est qu'il y a de cela peut-être 6 jours, 7 jours, moi j'étais réuni avec le père Juan Molina, qui était un Argentin, et qui était mené un ambassadeur argentin, pratiquement un représentant de. Il est gouverneur d'un État, représentant de la présidente qui devine là, pour voir dans quel moyen il a aidé nous avec l'élevage là. Et ça qui a retenu l'attention, c'est le dit que il y a un problème, fais-moi plaisir, fais ça me demander à venir en réalité. Je dis, Dieu me nous fais garder 40 000 bœufs. Je dis, pas un problème. Alors à ce moment, le secrétaire d'État à la production animale, qui était là, M. Michel Chancy, il était intervenu pour lui dire que, premièrement, transport 40 000 bœufs, là, c'est vraiment qui facile, et recevoir 40 000 bœufs, là, même là, c'est facile pour nous. Est-ce que nous connaissons si par mégarde, par un bœuf, peut-être, qui est malade, qui a un problème, et donc c'est pas conservé, Wally, et nous connaissons que logistique, là, en tout cas, difficile. Voilà que, avec la nouvelle technologie, il y a moyen, à travers insémination, peut avouer peut-être 40 000 et qui j'aime t'arrêter ça. Bah, pour faire insémination, côté que ou t'as fait bœuf ça dans un pays à ou même. Et ça, c'est la technique moderne, et de telle sorte que peut-être au cas bon contrôle sous qui état et sac non mais là, de telle sorte que vous avez un problème logistique là encore. Donc, n'a pas avancé avec moun qui t'a remé ou bien cap fait élevage. Peut-être que dans les jours qui viennent, m'a parlé de ça avec mon secrétaire d'État à la production animale, pour si il y a un plan précis, ou bien si encore, si n'a pas réuni, même je ne fais la pêcheur, si il y a moyen pour que nous mettons ensemble, que nous présentions nous-mêmes et doléances nous, de telle sorte que nous avançons dans ce sens-là. Mais c'est très intéressant, ça nous fait là, le fait que nous faisons connaître que nous là, déjà, et pour que l'État, ça, qui voulait bailler service là, pour le prendre en considération, mettez-nous ensemble, accompagnez-nous. Donc, plan pas maintenant, ce serait peut-être mettez-nous ensemble, faites-nous avec au monde d'un coup, Fader et Juan Molina, qui a identifié le problème, nous a dit ça a besoin, de telle sorte que ensemble nous avançons. Président, nous-mêmes paysans, nous toujours pour qu'on avoue dans gréa. En pile côté dans le pays, ça là toujours à vendre tête nègre. Qui ça va dire pour nous? Dieu donné et l'y fait. En gréa, il n'y a pas jamais assez pour tout le pays. C'était un geste que le président a fait. Côté que si je ne me suis pas trompé, c'était 100 000 sacs, mon coeur, en zone 100 000 sacs que nous recevoir, qui leur a distribué, leur a fait cadeau dans 10 départements. Yo, et je me suis dit que l'Ipatap, j'aime assez pour tout le monde. Kounyan, le fait qu'il y a 20 ans, moi déjà demandé au ministre de l'Agriculture pour faire attention et pour assurer que l'engrais, ça, particulièrement, pas vendre. Qu'on y a un sous-paquet en joigne et que ouais, qu'on l'autre engrais sous marché et qu'à vendre tête nègre, c'est peut-être parce que justement qu'on rareté d'engrais. Donc nous-mêmes, ça n'a pas fait et n'a pas continué et subventionné à près de 30% engrais avec monde qui pral et fait commande, de telle sorte que gain engrais sous marché et puis pour nous font en sorte que nous contrôlons les prix pour pas payer tête nègre. Son problème que engrais a eu quelques jours depuis à l'époque de la campagne, mon ta plein de prix engrais. Hein. Donc nous parlons ouais, avec le ministère de l'Agriculture et qui ça remet sous pied pour qu'on contrôle parce que pour suivre ça engrais ou bien pour suivre qui j'ai la vente dans le magasin, là encore, les moyens de logistique. Et je n'ai pas besoin de dire que l'État haïtien, qui est très faible, vous dit, n'a pas de moyens pour contrôler tout le bagage, tout le côté et tout le temps.
et ou gagne un problème dans le nord et pour font effort vous voyez regarder dans le nord pendant que dans le sud tout li dans l'ouest li dans la Tibonite li dans Grand Danse li dans Nip et l'état haïtien qui fait vous dire pas gain moyen donc mais n'a travailler sur lui n'a baisser servir à technologie à tout pour qui moyen que nous gagne pour nous gain un meilleur contrôle et une meilleure répartition de ça et qui est les engrais qui sont besoins qui sont nécessités pour les planteurs, pour les gens qui travaillent à la terre. Et encore une fois, pas plein sous le jouer dans le parce que pas de gain pour tout le monde. Mais moi-même, personnellement, je connais que je fais des distributions, et notamment de l'homme au Kaila, nous avons fait un gré au Kaï, et nous avons fait 15 coffres, nous avons fait 15 coffres, et je me dis autour que, go naïve, je connais. Je me dis ça, il y a des gens qui disent pas de joindre, je me dis que ce n'est pas tout le monde qui a joindre. Mais nous avons fait en sorte que toute délégation ait recevé quelques sacs quand même. Qui est-ce qui joindre? Je me dis assurer que les planteurs les plus démunis, les gens qui ont besoin de joindre. Là, vous dites, on va essayer de justifier qu'un tel joindre, un tel pas joindre. L'idée, c'était que l'État voulait venir en support, en aide à une population. Encore une fois, nous devons dire qu'il est démuni, qu'il n'a pas de moyens, et nous devons faire un geste. Donc, nous sommes là, nous allons essayer déraper avec un système qui vous permet d'acheter un gré à bon prix. Selon information du président, il y a une pile de richesses dans le pays, tant que l'or, cuivre, bauxite, soufre, diamant et pétrole. Pour qui ça, ou pas faire exploiter les richesses pour développer Haïti? Question ça, c'est question de Huguette Saint-Amour. Et une belle question et une belle proposition tout faire exploiter richesse ça yo encore on ka dire que nous pa gen tout moyen pour penser nous ka gagner pour exploiter mine ça yo et on simple mine sable dans pays à exploiter l'état pas au courant on simple mine sable à exploiter l'état pas au courant qui est-ce qu'a exploiter dans qui condition a exploiter est-ce que moun nan gon permis. Pour qui ça, côté mine sable, on peut exploiter, il y a un village là. Village n'a pas même gain de l'eau. Village n'a pas gain l'école. Exploitation sable, ça, on pas toucher taxe sous lit, on pas vrai nos gens pour que, ou qu'a fait zone profiter de l'exploitation sable là. C'est pour vous dire que l'État est tellement faible. Vous voyez qu'à paraître ou fermer mine sable là, les fermer 3 semaines, on aller, sous pas mettre moun sous les chaque jour, il faut recommencer à exploiter. Donc encore, il faut créer cet état fort, il faut créer les moyens. Et dans le pétrole là, par exemple, si nous devons vraiment découvrir le pétrole en Haïti, je crois que Haïti est développé. Mais il faut me dire que juste pour ta faire étude ça seulement, je ne crois pas Haïti gagne l'argent pour ça. Juste pour ta faire fouille, Haïti gagne l'argent pour ça. Certainement, ou ka joindre des monde qu'on fait on dit la veille côté que ou font partenariat ou dit ou fouiller si nous joindre bon là ça va dépendre de intérêt que compagnie ça ta gagner s'il suspecte gagner s'il suspecte pas gagner s'il pas rien qui ka prouver que gagner si qu'on pas on l'état cap kembe parole li tout pas l'investir puis pour bagarre la vie en quartier mini et puis devant donc encore la première fausse affaire et moi parler de ça déjà avec ministère public m'a demandé passer aux mains dans affaire bureau des mines parce que bureau des mines gain pour directement avec travaux publics et ministère ça m'a demandé ça m'a demandé assurer que même au niveau des carrières de sable l'exploitation du sable que c'est pas bail qu'a fait n'importe qui gens pour que ça pour n'a détruire l'environnement dans une zone, ou bien exploiter sable dans une zone, et puis dans une zone où on a exploité là, sable là, bah, l'argent, mais tout le monde dans une zone, non, figure couvrir à sable, pas qu'il y ait de l'eau propre, pas qu'on l'école dans une zone, non. Donc, on a travaillé, on a penché nous. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a tellement de vos affaires. Tellement de vos affaires. Et parallèlement, il faut que tu aies fait tout le monde prendre conscience. Parce que je ne sais pas pourquoi ça, c'est le président Matéli qui vous parle de on mine sable. Mais c'est mon vérité. C'est pendant ma passé, mon mine ça va exploiter à 11h du soir, m'entrer la donne, et puis le monde de qui est ça va exploiter, je pas de dire qui est, mon n'a pas de contrat, mon n'a pas de permis, et puis mine ça va dans la figure sur route nationale, et puis mon passe là chaque jour, personne ne va occuper de ça. Donc il faut refaire l'État, il faut.
créer cet intérêt pour un développement réel du pays, il faut que nous mettions moyens dans main nous. Le premier moyen que nous avons besoin, c'est conscience nous, c'est devoir citoyen nous, c'est notre civisme pour nous pas voir que l'un dans l'État son job nous gagne, j'en passe le passé, pour nous prendre du travail nous au sérieux, en sorte que problème nous, qu'à joindre des solutions. Question de Nixon Lazare au Canada. Président, qui ça va faire pour décider de raqueter qu'à déchepiller moun dans l'administration publique là? Là, c'est une bonne question et qui souvent fait que l'État gagne manque à gagner. Souvent, tout son corruption qui existe entre certains employés de l'État qui permettent que raqueter à l'égain feuille qui pourtant n'a bio l'État, il y a depuis deux ans, institution, il y a plein feuille. Donc, c'est pour vous dire que c'est un véritable désordre. Et encore faudrait-il bien que ces deux choses l'une, soit responsable ministère ça et tout employé n'a pas conscience, de telle sorte que ne pas permettre bagaille fait comme ça, d'une part, ou bien encore que c'est des changements pour opérer à l'intérieur de ces institutions, de telle sorte que qu'on y a qu'à mettre des mounes qui soucieux et qui empêchent que le travail la fête. Parfois, par le passé, ils ont évité et fait ça. Parce que t'es dit que pour acquitter à son moyen pour le vivre, faut créer emploi, et ou pas qu'à créer emploi, donc c'est comme ça, mon n'a qu'à faire 10 gouttes de lit. Nous-mêmes, nous pas qu'à permettre, tant qu'on l'état que le bail service, que pendant ma quitte faire acquitter pour déranger tout nos système, et pour permettre que corruption a fait tout, parce que là, tout le monde fourré, mais au gain de droit, dans a fait l'État comme ça, bah la cavire n'importe qui gens. Et c'est pour ça que nous-mêmes, nous voulons créer des emplois, nous ne voulons pas que raqueter à lui-même la servir d'intermédiaire entre bureau de l'État et consommateur. Donc nous voulons créer des emplois durables, de telle sorte que raqueter ça, car nous voulons un job libre de travail et encore renforcer les institutions. C'est dans le bureau de l'État un problème, non, de ça n'a pas lié à raqueter. Mais qui j'en fait et le bureau de l'État permettre ça? Les institutions sont faibles et nous travaillons pour nous renforcer. Et pour nous avoir plus force. Et ça vient pour tout avec notre mentalité, ça vient pour avec le fait que ça ne dit rien, le fait que bon, son job m'a géré si et qu'on s'allie. Non, nous-mêmes, c'est pour ça que nous disons nous voulons les résultats. L'offre les résultats, gon gens pour agir, gon attitude pour gagner, et gon façon de faire, et gon façon de raisonner. Et c'est dans ce sens ça que nous voulons mener nouveau l'État. C'est servir la population. Hein. Donc, mettez tous les outils dans main. L'État, ça, dans mes institutions, pour capoter résultat, by population. Et là, je crois que c'est la dernière question que nous avons vue dans ce soir. Je voulais remercier nous, encore une fois, pour l'intérêt que nous avons dans l'émission, ça. Parce que le vous nous pas posé question encore. Le président n'a pas bien pour répondre à une question. Donc, et m'a dit nous merci, et ça te fait plaisir à lui, à l'aime détendre. Et porte-parole là qui t'a annoncé que au fur et à mesure que t'as passé, nous avons plus de monde qui a posé des questions, nous avons plus d'intérêt. C'est malheureux que nous n'avons pas posé toutes questions. Je m'a dit nous encore une fois merci, nous n'avons pas suspendre, remercier nous, parce que, vous dire à côté de Mchita, c'est nous-mêmes qui prenons même, qui menons sous chaise là, et à travers la confiance que nous avons en moi, et me fait connaître que dynamisme, dévouement, courage, nous avons fait monde de lit pendant 7-8 premiers mois et dans l'année 2011. Là, c'est avec lui-même que je m'abdé avec 2012. Là, et j'ai l'intention qu'il y ait force, ça, dynamisme, ça, sincérité, ça, volonté, dévouement ça, pour me servir, nous, pour me porter une meilleure vie pour nous pendant 5 ans, madame. C'était avec nous et tête calée. M'abdé nous merci d'être que nous déchita. Suivez et à bientôt. Bonne fin de soirée et à la prochaine. Mes amis téléspectateurs, nous sûr que je vous dis encore une fois, tu es pour un pile plaisir pour te participer à l'émission Président Proutéo. Président Michel Joseph Martelly, qui, depuis quelques temps, depuis le monté sous pouvoir, développé rapport de proximité, ça y avec vous, n'a parlé français. Nous, en pile, qui a posé question, tous les jours. Nous apprécions ça au niveau de la présidence. Et ça nous a qui développé comme intérêt, voulait faire nous une nécessité pour nous aller vers vous-même pour poser des questions directement dans le micro, Palais National ou bien Télévision Nationale d'Haïti. Nous allons envisager comment nous sommes capables de faire plaisir. Mais nous avons toujours invité à continuer à poser des questions tout sur SMS 828, sur Twitter, sur Facebook. Prochain rendez-vous avec l'émission Président Proutéo, c'est le 14 février.
une date qui veut dire en pile pour amoureux. Et nous sommes sûrs que le président Martelly a réservé en pile surprise pour nous. Commentaire, n'attendons pas le président là, il n'a pas gagné pour le cacher, poser la question. Vini vers lui-même et c'est avec même plaisir là, la continuer à répondre. Bonne fin de soirée, à la prochaine.